nous sommes souvent invités par l'ordre nous considérons que nos relations avec les professions du chiffre doivent être entretenues. Je suis par exemple moi-même membre de la commission régionale de discipline des commissaires aux comptes, donc je suis l'un des plus désignés pour entretenir ces relations. Et le sujet qui est abordé aujourd'hui sur les associations est un sujet que nous avons en commun, bien entendu. Le message principal que je souhaitais faire passer aujourd'hui, c'est les missions principales qui sont dévolues aux juridictions financières, c'est-à-dire un contrôle de régularité, et même voire un contrôle sur la probité, qui est quand même un rôle fondamental, mais aussi un contrôle sur la performance. Le nombre d'associations a été évoqué aujourd'hui, donc il y en a énormément dans tous les domaines. Hein. Ce sont des interlocuteurs des collectivités qui sont notre sujet principal de contrôle incontournable. Elles participent de plus en plus aux missions de service public, aux politiques publiques en général, donc c'est effectivement un sujet pertinent. Ce que pourraient faire les professions du chiffre, c'est investir le domaine. On a évoqué le fait, et qui n'est pas si rare, d'associations qui devraient être, dont les comptes devraient être certifiés, qui ne le sont pas, simplement parce que les associations connaissent mal leurs obligations en général. Et des comptes qui sont mal tenus ou qui ne sont pas tenus du tout. Hein. Je crois que quelqu'un a évoqué, c'est peut-être un des derniers domaines, des dernières entités qui tiennent encore des comptabilités de trésorerie et pas en droit constaté, ce qui est quand même pas normal. Quand on compare ça à leurs obligations, des obligations qui résultent du fait qu'elles sont subventionnées, ça laisse penser qu'il y a une marge importante pour les deux professions.